pays de semblants. Quand tu les vois, c'est juste l'intérêt, quoi. Hein? Quel vrai partenariat à la France? Ce n'est que les intérêts. C'est pas normal. C'est égoïste. Et c'est méchant. C'est ingrat. Est-ce que vous êtes obligé de leur vendre quelque chose? Les voitures qu'ils vendent en France, est-ce que c'est le même prix en Côte d'Ivoire? Comment quelqu'un qui a dévalué son argent? Tu as dévalué son argent. Tu lui donnes 1 euro et ça lui fait 650 francs CFA. 650 francs CFA. Mais c'est de foutaise. Ça veut dire un Français, il a la valeur de 650 Africains. Mais c'est méchant. C'est quoi ça là? C'est de la foutaise. Le travail que tu fais là, tu fais à quoi? C'est pas même bras, on prend pour faire aussi. On n'est pas bête, hein? La valeur d'un seul Français fait 650 Africains. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis c'est eux qui vont venir donner l'argent aux gens pour aider les gens. Ils vont aider qui? Apprenez à refuser les cadeaux empoisonnés. Apprenez à refuser ça. Il est écrit dans ma Bible. Contentez-vous de ce que vous avez. Même si tu as un, Dieu sait pourquoi t'as donné un. Tu as deux, Dieu sait pourquoi t'as donné deux. Tu as cinq, Dieu sait pourquoi t'as donné cinq. Arrêtez d'envier les gens. Chers dirigeants, arrêtez de prendre crédit avec le FMI. J'entends don, don. Mais après, on entend annuler le crédit. C'est pas don. Arrêtez de blaguer les gens. C'est don là, pourquoi on ne va pas aux autres pays? C'est parce qu'on sait que vous allez rembourser. Vous avez l'argent. Donc le Covid, c'est du business. Vous ne comprenez pas encore le système. C'est-à-dire quoi? Il faut imaginer, c'est un exemple. Quand celle qui est arrivée en France, ils ont décaissé leurs milliards d'euros pour leur pays. Les États-Unis pour eux, leur pays. En Afrique, là, les présidents parlent, mais ils parlent maintenant, ils font les mains comme ça. Quand ils ont fini de parler là, vous avez vu, qu'est-ce qui a changé? Après, on attend FMI, Banque mondiale, BCAO, BAD, envoie l'argent, tant. Cet argent qu'ils envoient là-haut, qui va rembourser ça? On dit à Abidjan, il y a un cas, ou bien c'est pas deux cas. Seulement au début, déjà il y a 20 milliards qui sont décaissés. 20 milliards pour faire quoi? Deux personnes. Maintenant, on n'a même pas encore arrivé à 1 million de cas. On prend un crédit pour faire quoi? J'ai dit, il n'y a rien, c'est du business. C'est du business. Vous voyez maladie. Eux, ils sont en train de chercher l'argent dedans. Vous voyez confinement. Eux, ils sont en train de chercher l'argent dedans. Il y a des gens qui cherchent l'argent dans ça là. Pendant qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui cherchent l'argent dedans. Mais ce qui me plaît, le Seigneur m'a rassuré. Ils ont tout essayé, ils ont tout fait, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas au nom de Jésus. Ils sont oubliés de prendre le micro et mettre fin à cette histoire de confinement. C'est pourquoi eux-mêmes, vous voyez, chacun en train de choisir sa date de déconfinement. Progressive ou ralenti, c'est bien sûr, vous allez déconfiner. Le système n'a pas marché. C'est un système pour détruire les États-Unis, pour paralyser la première puissance mondiale. Maintenant, qui était le partenaire de la Chine? Était la France, dans le secret. Voulant détruire les autres pays qui les rivalisent en Europe, ça s'est retenu sur eux-mêmes. Ça n'a pas marché. L'Allemagne a vu dedans. Ça n'a pas marché. Ce que j'aimerais dire à ces grandes puissances, façon, vous les Français, toi la France, tu es allé faire alliance à la Chine. Vous cherchez à détruire les autres et puis devenir riche là. Et puis ça n'a pas marché là. États-Unis là, eux sont première puissance mondiale. Eux aussi savent fabriquer virus. Allemagne sait fabriquer virus. Russie sait fabriquer virus. Iran sait fabriquer virus. Corée du Nord, Corée du Sud, Japon sait fabriquer virus. Façon de faire là, si chaque pays veut fabriquer son virus pour commencer là-haut, ça va vous arranger. Ou bien c'est vous seul qui êtes intelligent.
France, il faut te ressaisir. Vous pensez que c'est vous seul qui êtes intelligent. Vous pensez que c'est vous seul qui êtes intelligent. Si les autres, là, chacun envoyait son virus, vous allez faire comment? Donc, vous, les Chinois, là, vous pensez que votre tête, l'intelligence est dedans. Vous êtes beaucoup. Parce que vous avez peur, puis les gens sont morts dans chaque pays, là. Si ces grandes puissances aussi sont rancunières, les 1 mois, 2 mois qui suivent, là, ça va créer des choses aussi pour retenir chez vous là-bas. Là. Ça va vous arranger. Je bénis Dieu parce que c'est que c'est fini. Mais, comme Dieu m'a rassuré, quand je faisais le programme d'intercession les 10 jours là, il dit chaque pays aura lui-même sa propre crise. Donc, il disait que chacun sera occupé à régler lui-même ses problèmes intérieurs, ses problèmes internes au moins. Donc, que Dieu bénisse les gouvernants qui n'avaient rien à voir dedans. Maintenant, les gouvernants qui avaient quelque chose à voir dedans, commencez à préparer vos valises. Ce n'est pas bon pour vous. C'est pas bon. Je continue sur mon message. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur me révèle et me montre. Et quand j'allume la télévision, les signes sont là. Les enfants m'envoient des vidéos, des choses, plein de choses. Et ça confirme tout ce que le Seigneur me montre. Même aujourd'hui, le Seigneur, pendant que je faisais la prière tout à l'heure un peu, il y a des choses qu'il m'a dit. Mais j'ai dit, non, moi, je suis fatigué. De... Ça là. Il faut dire à autre personne, il m'a dit. Il dit, non, c'est pas pour leur dire. Il dit, mais pourquoi tu voulais que ça sorte de ma bouche en même temps? Il dit, non, c'est parce que c'est trop fort. Il dit, ah, ok, mais je ne vais pas dire. Il dit, non, c'est bon, il ne faut pas dire. Et puis, il m'a laissé en même temps. Donc, moi, je continue mon culte.